David Hallyday ce qu'il partage avec ses enfants. Ses trois enfants, Ilona, Emma et Cameron, sont la prunelle de ses yeux. David Hallyday, qui n'a pas eu la chance de grandir aux côtés de son papa, Johnny Hallyday, s'efforce d'être un père présent et attentif. Dans une interview accordée au journal belge DH, le chanteur de 51 ans a longuement évoqué sa relation avec ses enfants, et l'ambition qu'il nourrit pour eux. Son souhait, c'est que tous trouvent leur propre passion, comme lui a pu trouver la sienne il y a des années, guidé par l'admiration qu'il avait pour son paternel. Mon rêve le plus cher, c'est que mes enfants puissent toucher à la chose que j'ai pu toucher moi-même, la passion, la possibilité de faire quelque chose dans la vie qui leur permettra de s'évader même quand la vie est difficile, confie-t-il. Il faut pouvoir changer d'air pour continuer à avancer. Je souhaite ça car finalement, on va tous au même endroit à la fin et on n'emmène rien avec nous. Tout ce qu'on peut souhaiter c'est que la transmission de témoins se fasse avec les enfants. Qu'ils trouvent la sérénité et la passion. C'est ce que j'essaie de leur apprendre. Un apprentissage qui semble porter ses fruits. Puisqu'Ilona et Emma Smet, ses deux filles aînées, se lancent avec espoir et détermination dans une carrière de mannequin. À 12 ans, Cameron est encore trop jeune pour avoir trouvé sa vocation, mais il partage avec son père de longs moments de complicité et se trouve être le portrait craché de Johnny Hallyday enfant. Un destin de chanteur né ?